Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un cours de pilates. On va partir sur un matwork simple, donc juste avec vos tapis, pas besoin d'accessoires supplémentaires. On va redémarrer tranquille histoire de se remettre en jambes. Et je vous rappelle les principes: centrage, périnée active, transverse et surtout une bonne respiration. Et vous savez comment ça fonctionne. C'est parti, on va démarrer tranquillement avec un shoulder bridge, donc le décollé du bassin. Et on est parti pour 5 répétitions. J'alignais bien mon corps, mais aligné au nombril, pied largeur de votre bassin. Et à l'expire, je monte. J'expire, je redescends. Tête légèrement enroulée, menton plutôt en double menton. Et encore, expire. Et redescends. 5 fois. Dernière. Et redescend. On va faire exactement la même chose avec les bras à l'arrière. Sauf si vous avez un problème d'épaule, vous restez tranquillement les bras le long du corps. Expire, monte. Et reste, inspire. Expire, redescend. Cherche les bras loin, loin, loin derrière. Essaye de poser le coccyx le plus loin possible. Et encore, expire. Inspire, reste. Souffle, redescend. Et c'est parti, encore 3 fois. Ramène doucement les bras le long du corps, allonge les jambes, relâche. On va se mettre en position de chaise inversée. Ok, donc les jambes toujours à l'équerre. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir les pieds pointés. On réaligne la tête et on vient ici enrouler la tête. Et la suite, vous la connaissez, c'est parti pour un début de centaine. On part pour 5 cycles respiratoires. Tranquillement, je repose les bras, la tête, un pied puis l'autre et j'allonge. Relâche. La même chose en shoulder bridge. Avec les bassins décollés, on est reparti pour 5 séries, 5 cycles respiratoires. Je peux ou pas enrouler la tête en fonction de vos cervicales du jour. Ok, allez. Et souffle longuement. Repose tranquillement la tête, les bras descendent doucement la colonne, allonge et relâche. Passe les bras derrière la tête et détends. Alors, je ne sais pas si vous avez encore mangé des beignets, mais on va rajouter une petite série beignets qui fera de mal à personne. C'est parti, jambes vers le ciel, j'allonge maximum. Je peux enrouler ma tête hein, si j'ai pas de problème de cervicale toujours. Sinon, c'est pas grave. Je vais allonger l'arrière de mes jambes. Et on est reparti pour une série. Hop, une, deux, je descends. Et trois. Attention, quatrième. Dos. Et je remonte sur deux. Un. Et deux. Et je replie doucement. Je repose la tête. Je relâche. Passez les bras derrière, détends.
parti, on va continuer avec un roll-up tranquille. On va juste faire un déroulé du bassin. Je vous le montre de profil. Les pieds largeur de votre bassin toujours. Ici, vous pouvez laisser les mains, mais comme d'habitude, elles sont décoratives. Et on va essayer d'aller déposer en premier le sacrum et les lombaires pour remonter tranquillement par la force de vos abdos et votre centre. On y va. On va expirer ici. Expire. Descends. Inspire, reste. Et souffle, remonte. Ça marche? C'est parti. On est parti pour une série de 5. J'expire toujours en descente, je reste une inspiration et je souffle à nouveau pour remonter. Je peux évidemment décoller mes gros orteils si ce n'est pas possible pour mes pieds et je garde les talons au sol. Allez, un petit dernier, un peu plus bas. Ok, et allonge. Et voilà. Tranquillement, on va essayer avec les pieds décollés aujourd'hui. Allez, on teste. On décolle les jambes, on passe en déséquilibre fessier. Je reste, je souffle et je reste. Encore deux expirations, cinq en tout. Ok, et je reviens. Bien, et on va passer sur le côté pour aller se mettre à genoux si c'est possible pour vos genoux. Pieds largeur de votre bassin et les mains ancrées dans le sol. Ici, on part sur un swimming, tranquillement. Vous ne creusez pas le dos, pas de version crésière, c'est pas de dos rond. Attention à celles qui ont tendance à cambrer, vous plaquez bien les lombaires, le nombril avec vos lombaires. Ici, on va aller décoller un bras, une jambe. Sur une respiration, je ramène au même endroit, et hop, l'autre. Bien allongé, et je reviens, c'est parti. On va faire 5 répétitions droite-gauche. 5 allers-retours. On gaine, on peut allonger jusqu'au bout des orteils. Cherchez loin devant et loin derrière. Gardez la tête dans l'axe. Pas trop rapide. Ok, bien relâché, position de l'enfant. Allez, la petite série supplémentaire pour ceux qui ont mal au genou et ceux qui veulent faire une série de plus. On passe à plat ventre pour un semi plat ventre. Toujours deux possibilités. Vous êtes complètement au sol et vous n'avez pas mal au dos. Vous pouvez monter complètement. On va regarder. Première possibilité, j'allonge. Et deuxième, je suis en super forme et je vais donc décoller l'ensemble de mes membres vers le mouvement devant, loin derrière. Allez, c'est parti. Cinq allers-retours. Et je relâche. Reviens, marche arrière. Relâche. Déroule doucement. On est parti pour faire les sirènes. Vous partez dans le port que vous voulez, surtout évadez-vous, mais on pense au centrage. Toujours la bonne respiration et lâchez jamais ni le dos ni vos abdominaux. Transverse actif. Je m'aligne sur le côté, je garde un coude aligné avec mes hanches, mes chevilles. Voilà, mes genoux sont aussi dans l'axe. L'autre main sert de support. C'est parti. Dans cette position, pour je gaine. J'allonge bien ici, sur la taille, pas de taille relâchée, pas de vent qui sort, c'est tonique. Tonique au niveau de l'épaule, on triche pas, c'est parti? Ok,
On a les pieds flex, les orteils qui reviennent vers vous. Et on reste. On gagne 5 respirations. À chaque expiration, je ramène bien le nombril. Transverse reste actif. Et encore. Et je relâche pas la taille en dessous. On vérifie. Je peux vérifier, le transverse est toujours là. Ok. 4. Et le dernier. Ça. On va aller décoller les deux jambes. Et on reste. Tonique. 5 expire, toujours. Allonge toujours la taille en dessous. C'est parti. Et 4. Et dernier, 5. Bien, repose les pieds. On va juste faire un battement de la jambe qui est dessus. Je reste toujours active sur mon épaule, bien tonique. Je vais monter. Allez, on est parti pour 5. 1. Hop, 2. Souffle. Et 3. Allonge toujours ta taille en dessous. Garde le transverse actif. Rien ne bouge. 4. Et 5. Ok, repose et relâche. Détends un peu devant. Si ça fait un petit peu chaud, vous pouvez déjà tapoter dessus. On fait chauffer les fessiers. C'est parti. La même chose en version allongée complètement sur la plage abandonnée. Vous vous souvenez? Les pieds, vous pouvez les mettre en pointe ou en flex, peu importe. Placez bien votre corps en fonction de vos épaules. On vient ici décoller les deux jambes et on reste 5 expirations. Nombril toujours actif. On en profite pour bronzer un peu, même si vous êtes chez vous. Encore 3. Je peux aussi tester, c'est voir si c'est stable aujourd'hui. Avec le bras le long du corps, si ça ne l'est pas, je repose tranquillement ma main. Et 2 expire. Dernière. Ok. Et puis je vais aller monter la jambe. Je garde l'autre décollé du sol. C'est parti. Allez. 1. Et rien ne bouge. Et 2. Et souffle. 3. Et 4. Et 5. Et relâche. Et détends. On mousse toujours un petit peu. Ok, un petit dernier. Vous gardez la jambe au sol. Celle-ci, vous la gardez fléchie. Vous pouvez mettre plus ou moins proche de votre poitrine en fonction de vos possibilités. La main en appui. Et c'est la jambe du dessous qui va aller faire le boulot. Ici, on va aller travailler sur la fesse. Allez, on met le pied flex. C'est parti. Et je vais monter la jambe vers le ciel. Et on est parti pour des petits battements. Allez, je vous compte à la Céline. Allez, 1 et 2. Et 3, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 1, et 2, et 3, encore 5, 2, non, je ne sais plus compter, 7, et ferme, reste, relâche, et détends. Ok, relâche un peu. Bien, et on va passer sur l'autre côté pour tout faire. De la même manière. Voilà. C'est parti, on reste juste 5 expirations dans cette position. Vous pouvez aussi placer la main là. Ici, on garde les pieds flex. 5 expire, bien actif. Nombril qui ramène, mais surtout un transverse actif. Dernière respiration, ok. Et on décolle l'ensemble du sol. C'est parti. Toujours la taille longue en dessous, elle reste tranquille. 4. Ok, 2 dernières, reste. Et 5, on va avoir la visite. Voilà, c'est parti. Ici, on va venir donc décoller la jambe. Et on va faire 5 battements. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Allonge sur le bras. Je vous présente ici Octave, qui sert absolument à rien en pilates. On va avoir donc les jambes pointées vers le ciel, vers l'arrière. Et on repart sur, je décolle l'ensemble. Et je reste 5 expirations. Bien actif, toujours. On ne se laisse pas déconcentrer, y compris par le chat qui se frotte aux pieds. Ni les enfants qui peuvent tourner autour de vous, on ne sait pas. Et hop! Et je vais venir ici poser la jambe au sol et je vais aller faire 5 battements. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Ok, relâche. Allez, on passe à la dernière version. Vous placez la jambe par-dessus. Ok, bien détendu. Allons, et c'est la jambe du dessous qui va faire le travail. Ici, les pieds sont flex et on va monter. Donc, monter et descendre.
Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9 et 10, et relâche et détends. Et on en aura fini pour la petite sirène. Tranquillement, vous repassez en position assise. Assis dans une position confortable pour vous. Tailleur, pas tailleur, jambes ouvertes ou pas. On va venir ici travailler sur le torse. Le dos doit être aligné. Je vous montre de profil. Attention, pas vous asseoir dans le canapé. On reste le plus droit possible. Ça marche. Dos aligné, tête alignée. Les bras vont être ouverts en deuxième position. Hop, grand large. Portez une énorme poubelle ou une énorme pizza. Dédicace à Jean-Marie. Ok, et je reste alignée. 5, serait grande respiration. Allez, pensez que vous avez la force qui vient par les petits doigts. Ça allonge loin. Encore deux expires. Ok, bien. Je relâche un peu. Relâche le dos. Si vous voulez varier un petit peu, vous pouvez ouvrir les jambes ou pas. Si c'est difficile, vous gardez une flexion. Sinon, vous pouvez garder les jambes ouvertes. Et on reprend la même position. Cette fois-ci, on va faire une torsion. Vous allez aussi loin que vous pouvez en torsion. Hop, et je souffle. J'inspire et je reviens. Et je souffle. J'inspire et je reviens. Pareil. 5. Aller-retour. Et le 2. Et 3. N'oublie pas de souffler quand tu es dans la torsion. N'oublie pas le transverse. Il est toujours actif. 4. Et une dernière. Et 5. Et relâche. Relâche les jambes aussi. Détends, referme. Ok. On va faire cette fois-ci juste une torsion du haut du dos. Vous vous souvenez, ça va être au niveau de la colonne et au niveau du thorax, donc tout petit. Je vous montre de profil, toujours en position assise, confortable. Ici, vous allez vous arrondir le haut de votre corps, comme si vous rentrez dans une coquille. Et on reste. Expire 5 fois. Ok, c'est parti. Avec les jambes ouvertes, re le chat. On est parti. Hop, on roule et reste. 5 expirations. Et remonte. On se lève la main pour les poulets dans la barquette. Les mains toujours à hauteur de vos oreilles, les coudes le long du corps et vous n'oubliez pas le bas du corps complètement ramolli. Ici, pas de prothèse de fesses. Et sur une expire, je remonte mon buste et je reste ici, 5 expirations avec un mobile bien actif. Bas du corps toujours ramolli. Encore deux. Ok, relâche. On va faire la même chose avec uniquement les bras, loin devant, le bas du corps toujours ramolli. C'est parti. Hop. 5 expirations. Allez, sur les dernières, on essaye de monter un peu plus. Et relâche. Cette fois-ci, on va rajouter les jambes. Bras et jambes complètement actifs, les bras vont tirer loin devant et les jambes loin derrière, tout tendu. Hop, c'est parti. 5 expirations aussi, vous gardez bien la tête dans l'air. Nombril qui ramène. Allez, on en rajoute un petit peu encore, 2 avec les pieds flex et mains flex, c'est parti. Et relâche et détends. Et tranquillement, on repasse en position assise. Encore un petit exercice que j'affectionne particulièrement et surtout qui va vous créer des sensations normalement très agréables et qui fait la stimulation de l'endorphine. Donc c'est parti pour rolling like a ball, donc rouler comme une balle. On peut faire avec les pieds, je vous montre d'abord de face. Ici, je prends en dessous, au-dessus, au niveau des genoux, des cuisses, peu importe. Tant que vous allez pouvoir dérouler ici. Et c'est parti, je vais mettre profil.
Pensez à avancer un peu sur vos tapis. On va faire le système du roll-up, on va aller déposer les lombaires et on roule. Si ça ne remonte pas, on s'en fout comme d'habitude. On reste dans la rotation, tout en arrondi, en forme de C. C'est parti. Je cherche d'abord le déséquilibre, je retiens par les abdominaux, je souffle et je roule. S'il remonte, c'est cool. S'il ne remonte pas, on s'en fout. Et je repars. J'expire toujours dans l'effort, en montée si possible. Encore deux. Allez, une dernière avec une petite surprise, si ça marche. Hop, j'ouvre et je reste. Ok, stabilise, souffle et relâche. Détends un petit peu sur le dos. Ok. Allez, pour un dernier exercice, on va faire l'éléphant. Donc, vous pouvez avoir les jambes plus écartées que la largeur de votre bassin. On va venir enrouler tout le haut de la colonne tranquillement pour aller poser les mains. On essaye de garder les jambes à l'arrière bien allongées pour étirer toute la chaîne arrière. C'est parti. J'avance avec les mains. Et je reste à la planche. Ok, je repars tranquillement. Les mains en marche arrière. J'enroule aussi la tête. Et j'essaye de poser les talons en premier. Je garde les jambes allongées derrière et je déroule tout le buste. C'est parti, vous le faites 3 à 5 fois. Messieurs, vous n'oublierez pas que vous pourrez rajouter quelques pompes. Et si ça vous dit les filles, on y va. Hop, et je repars. Un petit dernier. Sympa ce petit éléphant. Et je déroule tranquillement. Et voilà. Et voici sur la partie stretching. Pour finir le cours de pilates, tranquillement, on va aller faire quelques petits étirements. Alors, un que j'affectionne aussi qui va pouvoir détendre toute la partie sacro-iliaque. Donc, je ramène un pied dans le sol, l'autre je croise par-dessus, j'attrape à l'intérieur et à l'extérieur ma cuisse et je ramène l'ensemble vers moi. N'oubliez pas de ne pas avoir le nez vers l'arrière, mais bien enrouler au niveau de la tête et je reste. Je peux aussi ouvrir un peu là sur le côté avec le cou et je respire tranquille. Restez 5 à 8 respirations. Je vais reposer ma jambe, je relâche, je décroise, j'aligne les deux jambes dans le sol. Prends les sensations et change de jambe. Intérieur, extérieur, ramène vers toi, enroule bien la tête. Et 5 à 8 respirations. Des croises, allongez deux, jambes dans le sol, alignées, pieds, nombril et nez, et prends les sensations à l'eau. Tranquillement, on va aller croiser une jambe par-dessus l'autre, vous pouvez replier ou pas la jambe du dessous, je laisse descendre les genoux, j'ouvre les bras en croix, les épaules restent bien en contact avec le sol, et ma tête va à l'inverse, et je vais relâcher. Thank you.
Bien doucement, ramène les jambes, les croise, aligne les deux jambes au milieu. Ici, on va alléger toute la zone lombaire. Hop, si je suis très souple, je peux entortiller mes pieds. Sinon, je fais comme je peux. J'essaye juste de poser mon genou par-dessus. Je laisse descendre. Hop. Et les épaules restent toujours en contact au sol. À 8 respirations et tu reviens tranquillement au centre. Tu défroises tes jambes, réalignes le nez avec les nombrils, allonge les jambes. Et tranquillement, tu relâches. Reviens sur le côté. Très bien. Pour la suite, un peu de relaxation, vous saurez sûrement faire à votre manière. Moi, je vous laisse là pour le moment et j'attends tous vos commentaires pour voir si on se retrouve pour un pilate ou pas. Ciao, à bientôt!